Et salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 22 de notre incroyable aventure sur Star Wars Jedi Fallen Order. Et très bientôt, oh oui très bientôt, Resident Evil 3. Et je peux vous dire que j'ai vraiment, mais vraiment hâte de vous proposer cette aventure. Et en plus de cela, je serai en direct depuis le Japon. Je vous en dirai plus au moment venu. C'est parti, let's go pour l'épisode 22. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Mais de toute façon, il y a une petite vidéo qui vous le dira. A tout de suite. Allez, souvenez-vous, on avait fait un flashback en allant save et on s'est retrouvé en jeune padawan. Et il n'y a rien à fouiller dans cette pièce. Je sais pas du tout à quoi m'attendre pour le coup. Toujours utiliser la force. Oui, parce qu'il n'y a pas de détecteur automatique apparemment. Très bien. Ok, mais on est dans un... Ok. C'est pas bon ça? Ouais, avec plaisir. Parfait. Tu pars t'entraîner? Comme toujours. Ça marche. Alors à plus tard. Salut. Ok, 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 ok. Y'a quoi là-haut? Il paraît qu'on va avoir de nouveaux ordres. Pas trop tôt. J'ai hâte de quitter ce dépotoir. Est-ce qu'on quitte Braca? Possible. Lui fait pas de fausse joie, c'est rien que des rumeurs. T'en fais pas. J'y croirai quand Maître Tapal le dira. En parlant de ton maître... Ouais, il faut que je file. Jaro t'attend, non? Oh. T'as l'air bien pressé. Ok, attendez, je me pose plein de questions, pour m'entraîner. Vas-y, assure. Jaro n'est pas vraiment du genre patient, tu sais. Je me pose plein de questions. Qu'est-ce qu'on branle sur un vaisseau impérial, en fait? Je piche pas. Maître Tapal? Padawan, il est l'heure de ta leçon. Oui, maître? Viens nous rejoindre. Et ne traîne pas. Ça va swinguer. Ça va swinguer. Là, on va devoir, à mon avis, tout utiliser. Ok. Là, je pense qu'on va devoir tout... Bien. Utiliser en termes de pouvoir. Ne me fais pas attendre. Je comprends pas en fait là. Ah d'accord, ok, 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 ok. J'ai pas du tout vu les rebords. Très très bien. Très très bien. J'ai pas du tout fait gaffe à ça. On aurait pu rester bloqué 8 ans à peu près, d'accord? Ok, qu'est-ce qu'on a là? Encore what? Ok, pas de soucis jusqu'ici. On fait quoi? On monte là-haut? Non, on descend. Très bien. Oh, un combat, commandant. Ok. Concentre-toi. Si tu te concentrais, tu verrais venir ce genre de diversion. Très bien. Rejoins-moi. Ok, ça met des pièges mortels, hein, les gars. Hein. Nickel. Hein. Pas de soucis. Ouais, mon rey. Nous allons commencer par ta préparation physique. Mais d'abord, nous avons des ordres. Braca est sûr. Nous sommes prêts à partir pour Maguito. Génial. Il faut... Maître, est-ce que ça va? Quelque chose ne va pas. Non, non. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le commandant vous a... Padawan, il se passe quelque chose de grave. Les clones nous ont trahis. Pour le moment, je n'ai aucune réponse à tes questions. Nous devons quitter ce vaisseau. Et vite. Ah ! Pas au module de sauvetage. Par les couloirs de maintenance. On s'est entraîné. Tu t'en souviens? Oui, maître. Et vous, qu'allez-vous faire? Je vais créer une diversion et je te rejoindrai. Si je ne suis pas là quand tu arrives, alors pars sans moi. Je te retrouverai sur Braca. Est-ce que tu as compris? Oui, maître. Ils arrivent. Je vais sceller le sas, mais si jamais un clone croise ta route, tu ne devras pas hésiter. Va. Et que la force soit avec toi. Allez. Va-t'en. Ok. Je comprends mieux. Non, stop. Je
Je comprends mieux, l'ordre 66 a été donné, par conséquent... Voilà ce qui s'est passé de son point de vue. Et son maître n'a pas encore été tué. Il nous faut des renforts. Ah, c'est vraiment stylé par contre. Je dois tirer ça pour passer. Ok. Bien. C'est vraiment stylé qu'on vive l'ordre 66 de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe? Premier jeu, je crois. Premier jeu où on... On vit l'ordre 66 en étant un jeune padawan. À savoir qu'Anakin Skywalker, à lui tout seul, a décimé la moitié des Jedi restants à l'académie. Ok. Très bien ça. Mon entraînement de Jedi a fait de moi une machine. On essuie des pertes. Ta balle a éliminé plusieurs escouades. Tirer à vue. Bien sûr. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a changé? Ok, ok. Intrus dans les couloirs de maintenance. Je crois que j'approche du turbolift. Il est pas très loin après ça. Alors, là je me pose une question. À savoir que pendant que l'ordre 66 a été annoncé, vous savez qu'Anakin a fait des dingueries, et c'est là où il devient justement Dark Vador. Alors, est-ce qu'on va voir, d'après vous, Dark Vador? Ça, c'est la question que toute la France se pose à l'heure actuelle devant cette vidéo incroyable. Cette vidéo, évidemment, remplie de pouces verts. Parce qu'on aime les pouces verts ici, qu'est-ce qui se passe? Ok. Très bien. Ça swing? Très bien. Attends, je comprends rien, frérot. C'est mon petit côté un peu, tu vois. Et ben voilà. Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Très très bien. J'ai repéré le petit padawan. Il est dans le turbolift. Le petit padawan. Wow, 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 get down. Ok. Je vais y arriver. Il faut pas que je m'arrête. T'inquiète, de toute façon, ils savent pas très bien viser, d'accord? On s'occupera de ta balle. Aïe. Padawan, ton sabre laser. Je suis désolé, maître. Continue à grimper, je te retrouve en haut. Attends, il me faut mon sabre, frérot. Ok, j'ai plus de sabre laser. Qu'est-ce que je branle là? Mais qu'est-ce que je fous? J'avais pas compris. Non. Mais quelle erreur! Mais quelle erreur du jeune Padawan! Mais qu'est-ce qui branle? C'est là qu'il faut aller. Voilà. Qu'est-ce qu'il fout, putain? Tellement en gros. Je vois que jeune ou grand, le cal, les gars, il n'a pas... Ah bah, il n'a pas le cerveau en place, hein. Il n'y a pas tout qui est connecté là-dedans, hein. Ok. Hop, petite cascade. Ah, très bien. Très, très bien. Allez, let's go, ça va ride. Ok. Je vais m'arranger, je vais essayer de vous faire un épisode par jour de Star Wars. Parce que je pense qu'on est proche de la fin. Comme ça, il sera fini. Avant que j'aille au Japon. Maître. Vous en saurez plus à l'avenir, vous inquiétez pas. Ok. On va passer par ici. Ok. Hop, on va se casser la gueule ici. De toute façon, il ne peut pas y avoir de coffre, puisqu'on est dans le passé. Doutez bien qu'un coffre, un endroit où tu peux plus revenir, c'est chiant. Ils sont pas les couilles de tout, ils bougent à peine. Nous devons partir. Ok. Perso, si j'étais un clone, j'aurais préféré être le dernier, il s'est juste fait monter en l'air, it's ok. Ok. Ah! Les commandes de la porte! Non!
bientôt, l'explosion couvrira notre fuite. Cette guerre n'est pas finie, mon Padawan. Reste à l'écoute. Attends le signal du Conseil Jedi. N'oublie pas, n'accorde ta confiance qu'à la Force. Oui, maître. Voici normalement à l'entrée du temple. Si je ne m'abuse. Oh, ça ressemble à mon arbre de compétences. Padawan. Il est l'heure de commencer la leçon. Pardon ? Ok, ça va swinguer. Let's go ! Il est beaucoup trop tôt. Tu es faible. Tu manques de discipline. Ok ? Tu laisses la peur rompre ton lien avec la Force. Beaucoup trop fort. Ok, ça s'en bat les couilles. Oh, oui. Je suis mort par ta faute, mon jeune apprenti. Tu es voué à l'échec, à la faiblesse. Tu es un traître. Tu n'es pas un Jedi. Non. Le cristal s'est brisé. J'ai plus de sabre laser ? What ? Très bien. Je veux un sabre ? M'aider ? Merci. Allons. Allons-nous-en d'ici. Je ne sais pas, BD. Je ne me l'explique pas moi-même. Ok. Très bien. Ça ne s'est pas passé comme prévu ? Je t'avais pourtant prévenu. Laissez-moi tranquille. Et abandonné, tout seul, égaré, et sans défense sur cette dangereuse planète. Jamais. Ok, j'en ai assez. Dites-moi qui vous êtes. Taron Malikos. Je fus un Jedi. Tout comme toi. Nous avons tant en commun. Ça m'étonnerait. Oh. Nous avons survécu à la purge. Mes hommes m'ont lâchement trahi. Je me devais de les supprimer tous, et je suis allé me cacher dans cette... endroit maudit. Les ténèbres ici... m'ont presque emporté. Mais j'ai triomphé. Vous êtes le chef des frères de la nuit. Oui. Mais ces sauvages ne respectent que la puissance. Et comme nous le savons, la Force est la plus puissante des alliés. Vous vous servez de la Force afin d'obtenir le pouvoir, c'est... C'est contraire à l'enseignement des Jedi. Nous vivons des temps obscurs. Nous sommes donc voués à disparaître si nous n'agissons pas, toi et moi. Je n'ai pas besoin que vous m'aidiez. Ce sabre laser qui est brisé indique le contraire. Tu as vu quelque chose là-bas, pas vrai? Quelque chose d'horrible. D'Atomir foisonne d'endroits comme celui-ci. Rejoins ma famille.
et je pourrai t'apprendre à contrôler son pouvoir. Rejoins ma famille, et je pourrai t'apprendre à contrôler son pouvoir. Vous vous répétez, Malikos. Sœur Meryn, tu ferais mieux de ne pas te mêler de tout ça. Pendant des années, vous disiez que les Jedi avaient orchestré le massacre de toutes mes sœurs. Et lorsque l'un d'eux se présente, vous cherchez à le faire entrer dans votre famille. Tu aurais dû t'en occuper. Mais tu n'en as pas le pouvoir, sorcière! Le pouvoir. Vous êtes fou, Malikos. Datomir a engendré votre chute. Et ma naïveté bien trop grande vous a permis de conduire à leur perte les frères de la nuit. Contrairement aux Jedi, les sœurs de la nuit de Datomir ne se trahissent jamais entre elles. Notre dévotion est éternelle. Toutes tes sœurs sont mortes. C'est vrai. Vous êtes entourés de leurs tombeaux. Il faut qu'on parte. Idiote! Ce pouvoir, tu ne sais pas le contrôler! Vous apprendrez tous deux qu'affronter une des sœurs de la nuit de Datomir, c'est les affronter toutes! Ok. Bah oui, j'ai pas de sabre laser. Allez, on se casse, ça va swinguer. Ah! Oh putain, elle m'a fait flipper. Hop, let's go. Je sais pas où on va. Aïe! Hop, cascade. Arrête. Wouhou! Ça swing. Ok. On va où? 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 Allez, dégage, j'ai pas le temps de ça. Littéralement, c'est ma sœur, c'est une sœur de la nuit. Ouh, ça swing! Let's go, bonjour, mesdames et messieurs. Ok. Ah, cascade! Serré! Serré! Dites à Gris de démarrer le mantis! Qu'est-ce qui se passe? Une sœur de la nuit, elle a réveillé des morts. Il me pourchasse! Cascade! Oh, oh, oh! Et tu les amènes ici? Ok. Capitaine, c'est le moment de décoller. Oh, putain! Aïe! C'est rien. Ça va swinguer. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Wouh! Ok! Allez, let's go, mon pote! C'est bon? Normalement, on est tranquille. On se casse de cette ville de mort là. Je savais qu'on a rien à branler là. C'était terrible. Sors-nous de là, Gris! Est-ce que t'as fabriqué? Y'a des sorcières mortes qui tentent de monter à bord! Décolle! Raconte-nous, tu as trouvé le tombeau? Le sabre de ton maître. Je l'ai vu. Maître Tapal, j'ai vu ce que j'ai fait, je l'ai vu mourir. Kahl. Il est détruit. Il n'y avait rien que je puisse faire. Kahl, tu n'étais qu'un enfant. Non. Non, je sais que j'aurais pu le sauver, si j'avais été meilleur et plus courageux, et si je l'avais écouté. J'aurais pu le sauver. Je le sais. Kahl, il est temps maintenant que je te raconte ce qui s'est passé, quand j'ai échappé à l'Empire. Trilla est entrée dans la pièce. Et quand j'ai vu ses yeux, j'ai compris ce que j'avais fait. C'était une inquisitrice. Quelque chose en moi a cédé. Et j'ai perdu le contrôle. J'ai puisé dans le côté obscur. Je les ai tous tués. Tous, jusqu'au dernier. Excepté elle. Pendant longtemps, je n'ai pas pu me pardonner. J'étais perdue. Parce que j'avais toute cette rage.
J'essayais de la refouler, mais je ne pouvais pas lutter contre sa présence. Je n'avais qu'une envie, c'était mourir. Et puis j'ai appris l'existence de l'Holocron. Une lueur d'espoir pour construire un avenir meilleur. Et enfin, une chance d'avancer. Lève-toi. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, et tu ne pourras pas non plus sauver ton maître. C'est du passé. Mais Cal, tu dois te décider à aller de l'avant. Comment ? Tu vas commencer par ça. Et tu vas t'en fabriquer un nouveau. Ah, c'est mignon, il a lâché une petite larme. On va où là ? Illum ? C'est nouveau ? Oh ! Oh, c'est nouveau, c'est nouveau. Première fois qu'on atterrit dans la neige, très bien. Bon voyage. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Dans la Streetzer. Ok. Cal. Ce ne sera pas facile. Ouais. Mais je suis prêt. Je ne parle pas que d'ici. Chaque Jedi doit affronter le côté obscur. Et il est si facile d'échouer. Vous luttez encore contre le côté obscur, même après avoir coupé votre lien avec la Force. C'est une lutte sans fin. Mais c'est ça, le test. C'est en choisissant de se battre que l'on découvre qui on est. Alors, il est temps de découvrir qui je suis. Ok. J'ai gagné quelque chose ? Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai pu gagner ? Ah, d'accord, mon sabre laser ne fonctionne toujours pas. Ok. Et je sais même pas où je suis. C'est le temple Jedi. Ah ! D'accord. Ça fait longtemps, mais... Oui, je m'en souviens. Explorer le temple Jedi. Très bien, bah ça tombe bien. Venez ici, du temps des Jedi. Très très bien. Normalement, il peut pas y avoir de méchants, si je puis me permettre cette petite expression. Étant donné que je n'ai pas de sabre laser, ils sont pas accros. Donc on va aller dans un ancien temple Jedi où les novices venaient. Ok, on va pouvoir escalader, évidemment. Très bien, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va gagner une nouvelle couleur ou je sais pas, ça serait cool. Ça serait grave cool, vu qu'elle m'a donné un sabre laser de ce côté. Bon, je ça va se mouiller. À la glace. Ça va se mouiller de ouf par ici. Ok. Faut rentrer là-dedans. C'est encore une sorte d'épreuve. Dès qu'on peut save, on va s'arrêter là, parce que mine de rien, le temps passe. Et beaucoup de choses ont changé. Ok, je suis où là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries, les gars? Très bien. D'accord, je sais où je suis. Est-ce qu'on pourra revenir ici en vrai? Je pense pas. Hein. Quelque chose là-haut. Je pense pas. Il devrait pas y avoir de coffre ici, je pense. Là, c'est juste pour récupérer le sabre. Pas l'air d'avoir d'ennemis, rien. Voilà. Ok. Hop, un petit jump, ça fait plaisir à la famille. Attends, c'est où tout ça là? Bah, on peut sauter ici, on n'est pas obligé d'attendre d'aller plus haut. Parce que de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Et c'est par là. Heureusement que j'ai trouvé ces gants incroyables. Sinon, mais qu'est-ce qu'on aurait bien pu faire? Bah, pas grand chose, je te le dis. Passer par ici aussi. Arrête la caméra, là c'est chiant. Alors, tu fasses un effort. Hein.
Ok, on est bientôt au sommet. Et tout ce qui monte doit redescendre. Par conséquent, à mon humble avis, ça va se finir. Très bien, le temple Jedi est là. Mais ah, te voilà. Très bien. On a un coffre. On a un coffre. On a un écho. Qu'est-ce, boy? Un grand Jedi a médité ici. Il est revenu sur sa vie passée pour en contempler les aventures et ses épreuves. Maître Marty Cameron. Je crois, si je ne m'abuse. On est venu pourquoi là? Pour voir un maître Jedi qui est... Juste pour ressentir... Attendez les gars, c'est pas possible. Quelle est cette tromperie? Je me suis fait usurper. Putain! Pardon. Ah, je me suis fait arnaquer! Qui l'eût cru? Attendez les gars. Foutez ma gueule là. Je refuse de partir. Les gars, j'ai pas fait tout ça pour un putain d'écho, je préfère vous le dire. Hein. Parce que là, j'ai envie de me saigner là. Ah non, c'est pas grand chose à voir, pas vrai? On devrait redescendre. Mon visage est engourdi. Ah! Faut redescendre? Mais quelle arnaque! Quelle arnaque! Oh, je suis déçu! Ah, regardez! J'avais pas vu ça, très bien ça! Très très bien, j'avais pas vu, ce boy! Qu'est-ce qu'on a là? D'accord, ok! Très très bien! Ok. Regardons ça. Explique-moi ça. J'ai compris, BD. Fais-moi voir. Très bien, on a quelque chose ici. Les gars, faut arrêter dans des temples. Beau avant. Ouais, c'était beau, mais c'était ridicule. Enfin, qui fait des entrées comme ça, les frères? Quoi là-dedans? Je peux entrer là-dedans? N'importe quoi, les gars! Personne fait des entrées des... Oh ouais, l'entrée des enfers. Je me rappelle cette pièce. Ah. Maître Yoda a fait fondre cette porte pour nous faire entrer. Pas avec la force, avec ce cristal. Il concentrait la chaleur de la lumière. Je pense qu'on peut le faire aussi. D'accord. Très très bien. Bon. Il va falloir qu'on fasse fondre le... Ah ouais, non, les gars, vous êtes chiants. Il y a combien de prises, là? En plus, je peux les mettre nulle part. Très bien. Allez. Est-ce que j'aurais pas dû, par hasard, utiliser la force pour... C'est très bizarre. Ouais, fais-moi voir. Un appareil Jedi de cet ancien temple. Qu'est-ce que c'est? Une statue. Voilà, statue d'un maître Jedi, évidemment. Bah ok, bah c'est problématique en fait tout ce qui vient de se passer. Parce que je suis tombé. Comme je vous avais dit, tout ce qui monte doit redescendre. Et ben là, je suis redescendu. Donc on va repasser en haut. Je pense avoir compris ce qu'il fallait faire. Je pense avoir compris. On va faire ça. Déjà. Et... Allez, fais un petit effort, Cal. Oh Cal, t'étais vraiment bête là. Hein. J'étais à deux doigts de t'insulter, mon bro, hein. Bien, je sais pas à quoi ça sert. Pour l'instant, ça n'a pas l'utilité. Ouais, putain. Oh quoi? BD?
Mais qu'est-ce qu'il branle ? Hé, hey, BD ! Ah, Sugoi. D'accord. D'accord, d'accord. Et si je fais ça ? Eh ben, c'est la merde ! Allez, on est parti. D'accord, c'est... Priscable. Aucun problème. Aucun problème, je vais gérer ça, vous inquiétez pas. Très bien. Ensuite... De toute évidence... BD, il est parti, je le reverrai plus. Hein. C'est terminé pour lui. D'accord. En fait, ça bouge. Oh là là, les gars, putain. Prévenez les frères. En fait, il suffisait juste de le garder en main, alors que j'avais essayé plusieurs fois et il le prenait jamais en main. C'est ça qui était chelou. Voilà, suffisait pas de... Oh là là, fallait pas chercher bien loin. Hein. Terrible, ça, terrible. Ok, accroche-toi, mon bro. C'est terrible. Bon. Allez, c'est par ici. Qu'est-ce qui se passe, mon frérot? Scanne-moi ça. Alors, on a la foutre. Très bien. Maintenant, je suppose qu'on va aller là. Ok. Et ensuite, on fait quoi, en fait? Parce que là, c'est à la croisée des... Des regards, si je puis me permettre. Ah, mais là, je peux rien en faire, ça. Hein. Ça, c'est très embêtant, ça. Tiens, tiens, tiens. Ah, ah, Sugoi, non? Ok, non, je pensais que ça, ça se détruisait. Mais pas du tout! Je vois pas, là. Je vois pas du tout. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et là, y a rien, là? Là, j'ai pas tout bien saisi. Bougez pas. On a fait fondre la glace. C'est très bien. Peut-être que maintenant, ça c'est... Non, c'est même sûr, ça ne sert plus à rien. Voilà. Ensuite, ça. Le mettre ici. Bah oui! Et ensuite, je suis dans la merde. Je suis totalement dans la merde. Il faut que j'actionne déjà le truc. Allez, on fait un tour. Let's go, les gars. C'est rien. Voilà, on va le caler là. Regardez bien ce qui va se passer. Parce que là, je suis énervé. Non! Regardez ce qui va se passer. Regardez bien. Regardez bien. Vous êtes prêts? Ça, on le remet là-bas. Ça, on saute. Maintenant, on va là. Voilà. Ensuite... On va le mettre ici comme ceci. On va l'attacher. On va le repousser. Voilà, bon, il suffit juste d'un peu de réflexion. Et ensuite, on va en haut. Et c'est bon, ça devrait sans trop de soucis faire fondre la glace. Voilà, suffit d'un peu de réflexion, mais quand même, il y a de la réflexion. Et ça, c'est tout ce qu'on aime. Let's go, fais-moi fondre ça, bébé. Allez. Là, ça va être bon. Là, ça va être bon. Voilà, je vais plus en entendre parler, ça dégage. Bon, et en plus, il y a de quoi save. Incroyable, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Je vais bombarder les épisodes parce que il faut que vous ayez la fin, évidemment, avant que je parte. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure avec l'épisode 23. Bisous tout le monde, ciao ciao.